Ok, bonjour et bienvenue sur cette cinquième mission déjà de la campagne du MiG-21. Bon, alors j'espère que cette cinquième mission va être un peu mieux que la mission 3 dans laquelle je suis mort par entêtement à vouloir être le premier à prendre un missile ennemi en pleine poire. La mission 4 où j'ai lamentablement oublié de sortir le train à l'atterrissage. Bon, au moins je me suis pas tué. Voilà. Bon. C'est la seule consolation que j'ai. La cinquième mission consiste à attaquer une raffinerie qui discrètement approvisionne nos ennemis. Donc on veut couper leur approvisionnement en carburant. Et donc on veut attaquer la raffinerie qui est au waypoint 3. Alors on a des roquettes, on dirait. Et des S-24, ça doit être aussi des roquettes. On va voir ça. Hop. Et la raffinerie se situe au point de navigation numéro 3. Et on doit aussi ouvrir l'œil pour éventuellement détruire des camions ennemis qui approvisionnent, qui sont sur la route. Regarder ça de plus près. Donc oui, ça se situe au niveau de Gori. Voilà, c'est Gori. Donc on part avec un cap plein ouest dans la vallée là. Il y a ce qu'on appelle le Karushi Gap, c'est-à-dire le petit trou là dans la vallée qui passe à Karushi. Et vous voyez qu'on est coincé entre le Caucase, la chaîne du Caucase ici au nord, ici. Et les montagnes qui vont vers la Turquie, cette chaîne de montagnes au sud. Donc la vallée s'étire en longueur est-ouest avec ce petit relief ici là qui coupe la vallée au niveau de Karushi. Donc on navigue au niveau de Karushi là. Et juste après Karushi, on a des grandes étendues d'eau qui sont un petit peu caractéristiques du coin. Et donc notre waypoint 3 est au sud de ce bradeau là sur Goury, et on voit ce qui est en noir là. Ça doit être une voie ferrée si je ne me trompe pas. Voilà, donc la voie ferrée fait un T ici, ou un Y, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Et là on a la raffinerie qui est le long d'une ville. Voilà, donc on a Gori, qui est la grande ville avec ce bradeau là. On va passer au-dessus. Donc on aura la rivière, une première ville ici, une deuxième ville là, la rivière qui fait un Y, la voie ferrée qui fait un Y, et le long d'une route, on a notre cible qui est la raffinerie. Voilà, donc éventuellement, on pourrait éventuellement retrouver des camions qui circulent sur cette route là. Hein, sur un axe est-ouest qu'on voit là discrètement. Éventuellement, ça pourrait être une indication. Alors, ce que je vais prendre aussi comme indication, c'est la distance par rapport à la ville et le cap. Voilà, donc on est à 151 km. Ça va faire juste pour mon RSBN. Surtout qu'on risque d'avoir le signal radio coupé par le relief. 150 km sur un cap 90. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une source de navigation un peu plus potable dans le coin? Je regarde. Pas d'indication. Sukumigali. Pas terrible, terrible. Donc après on a un cap retour là le long du relief sud jusqu'à ce qu'on arrive à la zone avec le relief là au nord et le relief au sud juste avant Kobuleti. Et quand on passe dans le début de cette vallée, on revient plein nord pour aller se poser sur Kutaisi avec l'approche visuelle qu'on a habituellement. Je regarde aussi rapidement l'emport. Alors oui, on va le sauvegarder. Je vais l'appeler campagne 5. Juste. Voilà. On va le sélectionner. Donc on avait bien. Voilà, des S-24, ce sont des roquettes. Je me trompe pas. Voilà,
C'est ça, S24. Ce sont bien les roquettes. Donc S24A. Et des roquettes. Donc on a des grosses roquettes plutôt balèzes en emport. Donc 1-2, on a les roquettes normales. Et en 3-4, on a les grosses roquettes plutôt pour taper du bâtiment. Et on a un réservoir de 490 litres en centrale. Bah voilà. On est parti, on se retrouve en vol. Ok, nous voilà au début de cette mission. On n'a pas d'AWACS, tiens. Ah oui, on n'a pas d'AWACS apparemment. Bon, faut quand même se méfier, hein. Faudra pas être trop confiant. Alors c'est parti pour la mise en route. Chief, turn on the ground power. Kutasi, Dodge 1-1, request startup. Kutasi, Dodge 1-1. Request taxi to runway. Dodge 1-1. Taxi, clear to taxi to runway 8.
habituel, hein. Chief, turn off the ground power. Copy. Ground power is now off. Allez, je vous retrouve en vol. Bon, on n'est pas tout à fait en vol comme promis, mais je me suis dit j'allais vous mettre le décollage quand même. Kutasi, Dodge 1-1, request takeoff. Pas grand chose. Il y a de la brume. Hein. Allez, je prends mon cap 080. Et je vous retrouve quand tu auras de l'action. Je viens de décoller là, j'ai pris le cap 080, donc j'ai la base derrière moi. Et je sais pas si vous vous rappelez dans le briefing, mais le bullseye est quasiment sur l'objectif. Mais une fonction super pratique de la WAX. C'est là qu'on fait AWACS, donc F7. C'est l'option Vector to Bullseye, c'est-à-dire qu'il vous donnera le cap à suivre pour aller au Bullseye. Et ça, c'est super pratique parce que si c'est près de la cible, bah, vous savez où se passe l'action. Là, il doit me donner un cap 90 à peu près. Là. Voilà, 97, 60 km. Et voilà. Donc là, on arrive près de la chaîne montagneuse là, qui rejoint sur un axe nord-sud le Caucase qui est à ma gauche et l'autre chaîne montagneuse, je sais pas comment elle s'appelle là, au sud. Vous voyez que là, ça se referme devant nous et donc on est tout près de Karushi qui est, si je passe en vue F10 là, qui est là, la altitude. Voilà, vous voyez là ce relief là, ici c'est ce qu'on a devant nous et Karushi est juste derrière, sachant que notre cible est au bullseye là. Ici, voilà. Donc le bullseye, c'est super pratique, ça permet à la WAX de vous donner la zone sur laquelle on va travailler. Mon plan pour l'instant est de monter à peu près à 3000 mètres. Bah, j'y suis, non, je suis à 2500. Donc je vais stabiliser à 3000 mètres, à peu près 9000 pieds. C'est pas très haut, s'il y a des défenses solaires, c'est peut-être pas l'idéal. C'est ce que je prévois de faire pour l'instant, 3000 mètres. Et puis voilà, je suis passé. J'ai mis mon armement sur ground. Je vais tirer peut-être les roquettes qui sont en 3-4. Donc les grosses roquettes. Celle-là, la LS-24 sur le bâtiment de la raffinerie en premier. Et puis après, ben, on improvisera. Voilà, à tout à l'heure. Bon, alors je reprends la main. Mon réservoir est vide à ventral, donc je le lâche. Et on vient de passer donc le Karushi qui est à ma droite là ici là. Et donc la cible est quelque part là et je vais essayer d'écarter sur la gauche pour essayer d'avoir de bien repérer
la rivière et Gori qui est donc collé au relief. Est-ce que ça pourrait être Gori là-bas? Il y a bien un brado qui descend là. Gori. Alors le brado qui descend, vous voyez ici là. Gori. Bon bah là c'est un petit peu triché parce que j'ai ma position. Mais vous voyez qu'on voyait bien le brado et Gori. Donc la cible est dans le prolongement de Gori. Sur une des routes là qu'il y a entre ces deux petites villes là. Par rapport au bullseye avant que le brado oblique vers le sud. Juste à la perpendiculaire d'un petit lac qu'il y a là. Vous voyez le petit lac là? Donc la cible est quelque part par là. Passer mon hélice en ligne. Je vais stabiliser mon appareil. Où est-ce que mon hélice est? Je l'ai perdu. Il est en ligne. La même altitude que moi. C'est incroyable le visuel dans DCS. C'est quand même juste hallucinant. Alors j'ai un MiG-21 qui vole là à côté de moi et je ne le vois pas. Vraiment ça fait partie de mes attentes sur DCS2. C'est de retrouver le visuel quand, sur les avions RR quoi, c'est juste. C'est pas concevable que là il y a un géant ailier qui est juste à côté de moi et que je ne le vois pas. Pas de fumée, rien du tout. Ah si, voilà, tout petit. C'est ridicule. Enfin. Alors, Gori, là on voit bien maintenant le brado là. Est-ce qu'en zoomant, on voit une villa, et normalement elle devrait se situer par là, la raffinerie. Je vais encore corriger mon cap. J'ai un petit peu lent, je vais mettre un peu de gaz. Non, le but c'est pas de voler droit sur la cible parce que sinon le nez de mon appareil va me gêner. Donc le but c'est de garder quand même les cibles sur le côté pour que je puisse bien les repérer. Bon, il y a une ville, deux villes, deux petites villes. Comment ça se présente là? Une ville. J'ai dû zoomer. C'est Caspi la ville avec un brado comme ça. Ah non, ça c'est Caspi. Ah, c'est. Oui, il y a du relief là. Le bras c'est juste au sud du lac là. Parce que je suis au-dessus du lac encore. Non, le lac je le vois là. Quelque chose là, un bâtiment. Ça vient de mon église, je vais lui dire d'engager les signaux seuls. Flight. Engage targets of opportunity. Oh, il est pas d'accord. Là, il y a bien une route ici. Vas-y. Engage targets of opportunity. Donc là on voit bien le brado qui descend.
Est-ce que ça pourrait être ça? Ouais. C'est ma raffinerie, ça, hein. On va laisser deux faire sa manœuvre. Ou pas, parce que... Ah, ça y est, il tire. Voilà, on le voit qu'il tire là-haut. Ouais. Ah, il y a des avions qui décollent d'un Alchic, ça veut dire qu'on a pas beaucoup de temps. Je m'aligne alors. J'essaie de faire ma passe pour tirer ma première roquette. Mal ça. Ah, je vois des camions là. On va passer sur les roquettes. Intérieur, on va mettre la sauce. Hein. Des camions qui partaient là, ici. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a des avions qui décollent de notre chic. J'ai intérêt à les prendre quand ils sont encore dans le petit pré vert. On va se mettre dans le sens de marche. Tout qui tire là, super. Allez, on va pas attendre le résultat de 2. Peu à côté, on dirait. Allez, on va s'aligner. On va prendre les gaz, on sort les aérofreins pour pas être trop rapide. Sur 100 km. Oh là là. Oh, les FPS. C'était terrible, j'ai failli être tué par les FPS. Allez, on s'en va avant de se faire intercepter. On reprend un cap 270. On va demander à deux de regrouper. Dodge Gwen 1, Wizard, Bra, 338, 490 at 8000 knots. Et on y va. On va accélérer. J'aimerais bien limite larguer mes pods. Dodge Gwen 1, Wizard, Bra, 338, 490, at 6000 knots. Outer Pylon. Voilà, et ça, et les inner aussi. Voilà. On va mettre les couvertures. Histoire d'être aérodynamiquement. Voilà, ça y est, notre collègue est déjà bingo. Bien, on est RTB. RTB. Allez, on va consommer du carburant. 270. On a du renfort, j'ai pas fait attention à ce qui se disait. Alors je repars plein ouest là pour l'instant, hein, pour vraiment essayer de échapper. Ils ont décollé de Nalchik, donc Nalchik par rapport à ma position, c'est au nord, là, par ici, vous voyez. Donc il y a des chances qu'ils cherchent à faire l'interception comme ça, là. Et moi, le but, c'est d'aller sur la batterie SAM qui est là, près de Kutaisi, pour me défendre.
voilà Karushi ici. Et si je vais éviter de me faire repérer, je vais passer plutôt à ras du sol au-dessus de Karushi. Je vous retrouve tout à l'heure, espérant pas me faire intercepter. Oula, alors gros problème, mon réacteur vient de s'arrêter. Je viens juste de couper l'enregistrement et donc je reprends. Bon. J'ai coupé l'afterburner et là, plus rien. Alors là, je suis très très mal. En plus, c'est une zone peuplée. Oh la loose. J'aurais pas le temps de le redémarrer à cette altitude là, c'est éjection, je vais me mettre. Oh la loose. Allez, je les mets vers le relief là. Et j'éjecte. Bon voilà, la poisse continue dans cette série MiG-21. La perte du moteur là. J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça dit au niveau du résultat de la mission? Score 12. Voilà, c'est juste mission échouée. Bon, ben c'était pas la joie. Hein. Dommage parce qu'on avait réussi à détruire 5 camions de carburant, le dépôt. La mission était réalisée. Hein. Bon, tant pis. Allez, à bientôt pour une prochaine. Bon alors, suite à mon échec de la mission précédente, je me retrouve à refaire un vol de l'étape précédente. C'est le même vol où j'ai dû intercepter un avion espion loin de la frontière. Donc voilà, je recommence ce vol, je suis parti pour essayer de le trouver. Voilà, je vais pas trop filmer, c'était juste une parenthèse vidéo. Pas trop d'intérêt pour l'instant à garder ce genre de vol vu qu'on l'a déjà fait une fois. Ces inconvénients de la campagne, c'est qu'on peut se retrouver à faire plusieurs fois le même vol, la même mission. Allez, à bientôt. Bon alors, je suis extrêmement embêté parce que j'ai encore un problème, vous allez dire il est zéro Sonic. Mais alors, je n'ai absolument pas de radio, c'est-à-dire que j'ai un peu tout essayé. Couper la radio, la remettre. Ça marche juste pas, j'ai pas d'AWAX, il me répond pas. Alors est-ce qu'il s'est écrasé? Et comme la tour me parlait pas non plus, je pense à un souci. Alors, souci utilisateur, c'est pas complètement impossible, hein. Je me retrouve un petit peu frustré de cette campagne là. Alors là, faut savoir d'où ça vient. Voilà, donc je n'ai pas de radio, je n'ai pas de guidage AWACS et le MiG-21 sans AWACS il est juste complètement inutile. Voilà, je peux toujours aussi dire à Wingman d'engager les bandits. J'ai absolument aucune réponse. Pourtant, j'ai tout allumé là. Sauf la caméra, mais ça n'a aucun espèce de rôle. Voilà, ça sert à rien. C'est juste super frustrant. J'ai essayé le volume. Ça marche, pourtant vous voyez j'ai de l'audio hein. Voilà, le challenge 0 c'est bien la wax, et pourtant quand je fais de la wax, ne serait-ce que simple vecteur, ah, j'ai rien. Donc voilà, ça fait partie des frustrations de décès de temps en temps. J'ai décidé de faire cette campagne solo et de filmer l'intégralité, donc ça fera partie des petites frustrations de la campagne. C'est pourquoi la radio ici ne s'est pas enclenchée.
je le saurai probablement jamais. Peut-être un bug, peut-être pas. J'en sais rien du tout. Voilà, à bientôt. Salut. Ah, je l'ai trouvé en... Apparemment, je l'ai trouvé en tournant, là. J'essaie de repérer mon bandit. Il est quelque part par là. Là. Il est tout près, là. Par là, ah voilà, je le vois. Il est là, juste ici, là. Je sais pas si vous le voyez. Il vient de passer quelque part par là, là. Alors, est-ce que mon radar va le choper? Maintenant, il est en low aspect. On reset l'eau. Ah mince, je l'ai perdu à nouveau. Le problème c'est que avec le visuel pourri de DCS, ça c'est... Je le retrouve là, il y a le brouillage. Merde, c'est 3, 4. Ah, où il est? Ah, je l'ai reperdu. J'étais passé en missile infrarouge. C'est pas vrai. C'est ballot parce que je l'ai aperçu. Et le visuel étant tellement pourri dans DCS que j'ai perdu de vue. Super. Je le mets sur l'eau parce que comme la cible n'a pas un rapprochement très rapide par rapport à moi. Bon, dommage, j'ai cru. Tant pis. Ouais, je suis à sec. Et j'arrive sur la piste. Je viens juste de sortir des trains en dernier moment. Je pense que je vais être un peu juste. Voilà.
ça va mal se finir. Et voilà, deuxième mort en campagne. C'est super, je m'éclate. Allez, salut.